pleasure to be here tonight. Hold on, I have to get my speech. Thanks. On behalf of the Francophonie DC Committee, I would like to thank you all very much for coming tonight, as well as your support that you and your predecessors have given to the festival for the past 15 years. This year celebrates our 15th year of the festival, and we're very, very, very glad that you could all be here to celebrate it. The Francophonie Cultural Festival in DC is one of the largest Francophone festivals in the world, actually. And it celebrates the diversity and richness of the French-speaking communities through a series of cultural events and outreach programs. Since its inception in 2003, more than 40 embassies and collaborating organizations, including the Alliance Française, the Organisation Internationale de la Francophonie, la Maison Française, and of course the Smithsonian Associates, have worked with each of you in the embassies each year to present an array of experiences highlighting the unique cultural of over 80 Francophone countries that are bound together through the French language. Each year as part of the festival, of course, we also award a prominent member of the Francophone community who has exemplified the French-speaking culture. This year, it gives me the great pleasure to give this award to someone whose life is the definition of Francophonie, Sarah Diligente. Now here's how come she's very Francophone, so hang on. She is, Sarah is the executive director of our partner organization, the Alliance Française, Washington, D.C. She lived in the West Indies until the age of six and grew up in a multicultural, multilingual family where everyone spoke louder and quicker than every other person in the house to be heard in Italian, English, Russian, Creole, and French. That's Francophone. She was educated in France and obtained her degree in international law and a master in philosophy and political science from the University of Toulouse. She moved to the US in 1995 and joined the Alliance as a teacher in 2004. And then in 2005 as an academic and deputy director, and then finally in 2013 as the executive director. From the day that she joined here in the United States, she joined the Alliance, she was a crusader for the Francophonie Festival. She designed curricula and teaching classes at the Alliance on Francophone literature and started the literary salon as part of our festival where she brought to DC such authors as Yannick Lannens, Alain Mabankou, Hubert Haddad, Alexander Najjar, and I'm gonna mess this one up, Nahal Tajadod, to name just a few. As a published poet herself, she is the founding director of WordFest and the annual DC International Poetry Festival and sat on its board from 2001 to 2006. In addition, Sarah gives talks and conferences in DC on a regular basis on literature, art, cinema, and politics. She was the president of the Washington ACUS Association, an association dedicated to helping French and Francophone expatriates coming to live in the Washington, D.C. area. As a part of this, she founded a book club called Avid Readers in D.C. to introduce American literature to French expatriates. And if that were not enough, most recently, in January in 2017, Sarah was made Knight in the Order of the Academic Palms, the oldest non-military distinction of the French Republic. This is very, very exciting for me. Presented by the French Ministry of Education, it recognizes those who have rendered eminent service to French education and contributed actively to the prestige of French culture. Sarah was recognized specifically for her continuous efforts in the promotion of the French language and to her commitment to grow the Alliance Française DC as a premier French cultural language center in the nation's capital. It is my, of course, pleasure, and of course, the committee could not think of anyone
who deserved this more. Sarah, congratulations as our recipient of the 2018 Grand Prix. Ambassador, please do our honors. I will break it. Thank you. I'll be very brief, and I'll if you don't mind, because after all, I am here in the name of Francophonie. I'll speak in French. Monsieur l'ambassadeur, votre excellence, messieurs et mesdames et messieurs les ambassadeurs, excellence, chef de mission, messieurs, mesdames, les conseillers attachés culturels, j'en ai vu quelques-uns. Les membres du board de l'Alliance française de Washington, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Mes partenaires du Smithsonian and Associates, always there for us. Chers amis de la francophonie, c'était tout à fait inattendu pour moi de recevoir ce prix. Quand j'ai vu Brigitte, le numéro de Brigitte s'afficher sur le cadran de mon téléphone, j'ai pensé... Ah, il y a un problème avec le festival logistique ou la grande fête, on n'a pas trouvé quelqu'un, etc. Et donc Brigitte me dit, are you sitting? Et heureusement, j'étais assise et je me dis, oh là là, ça va vraiment être pire que tout. Elle me demande si je suis assise. Et puis là, elle me dit, you've got the Grand Prix. Et là, j'ai fait, what? Parce que j'ai été obligée de faire répéter, je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais à autre chose. Et puis, j'ai réalisé, ah, mais c'est le 5 mars. Et donc j'ai obligé d'annuler le voyage rapide que je devais faire dans le Maine parce que ce matin, ma fille passait son interview pour être US citizen. And so I told her, mommy apparently cannot come because mommy's got an award. Can you deal with that? She said, oh yeah, as long as you're here for the swearing ceremony, with the best American accent that she has. Et donc je suis ici ce soir. Et donc c'est vraiment un grand honneur pour moi, parce que comme Brigitte vous l'a expliqué, la francophonie, en gros, c'est ma religion. C'est la langue française qui fut vraiment le ciment de ma famille, qui était éparpillée sur tous les continents du monde. Quand on se retrouvait, on parlait toujours aussi vite et aussi fort, mais on parlait en français. C'est au sein de ma famille, à moi, familiale, nucléaire, comme on dit, que c'était en plusieurs langues. Et donc, tous ceux qui parlaient différentes langues, la seule langue qui nous était commune, c'était la langue française. Et elle munissait donc aux membres de ma famille, un petit peu comme aujourd'hui, ici, dans la famille francophone, dont a parlé son excellence, la langue française, c'est ce ciment qui unit tous ceux qui sont ici ce soir, dans la francophonie. Que l'on soit francophone historique, comme nos partenaires de la Côte d'Ivoire, de Guinée, que j'ai vu tout à l'heure, je suis l'île Maurice, je ne veux pas en oublier, excusez-moi, ou bien francophone du cœur, et en l'occurrence, comme l'Arménie, francophone à la fois historique et du cœur, parce que l'Arménie, la France connaît bien, la communauté arménienne arrivée en France peut témoigner du fait que c'est une communauté francophone à la fois historique pour des raisons d'exil, et donc des raisons de cœur, d'attachement. Vous avez pu voir Charles Aznavour sur la vidéo, et tout le monde l'aime ici en général, et il est toujours reçu à bras ouverts aux États-Unis. Et cette communauté arménienne s'est déplacée non seulement en France, mais elle s'est déplacée aussi dans d'autres pays francophones, comme le Liban et la Syrie, et ça aussi, il ne faut pas l'oublier, qu'ils sont aussi des pays qui ont accueilli à bras ouverts les Arméniens et en ont fait les francophones de cœur et d'histoire que l'on connaît. Ce que je voudrais dire aussi rapidement, c'est que moi, je crois à la langue française et je crois à la francophonie, donc la deuxième raison pour laquelle c'est ma religion, c'est parce que je pense que sans la francophonie, sans cette langue française qui a été réappropriée, appropriée pour certains et réappropriée pour d'autres, du fait de l'histoire et aussi du fait ensuite de l'attachement, c'est grâce à elle que la langue française existe toujours. La langue française n'est pas une langue morte, la langue française est une langue vivante, elle est renouvelée constamment par les apports linguistiques, lexicaux, les accents différents qui en font la richesse.
Et au sein de l'alliance que je dirige avec mon équipe, dont certains sont ici présents, mais surtout avec l'ensemble du corps enseignant de l'Alliance française, je peux dire que je suis fière que l'Alliance française de Washington soit un phare de la francophonie. Nous avons des professeurs qui viennent d'Iran, qui viennent du Maroc, qui viennent d'Algérie, qui viennent du Liban, qui venaient d'Arménie pour certains d'entre eux il y a encore quelques années, et qui viennent aussi du Sénégal, qui viennent d'Éthiopie, du Kenya, du Congo, les deux, du Cameroun, et j'espère que je n'ai oublié personne, de la Suisse. Nous avons eu des Suisses et des Belges, et bien sûr nous avons encore des professeurs canadiens et québécois. Donc grâce à ces professeurs, nos étudiants francophiles, plus souvent qu'ils ne sont francophones, mais qui deviennent francophones, sont exposés à la richesse du monde francophone. Et la mission de l'Alliance française, ici à Washington et dans le monde bien sûr, c'est de pouvoir faire briller cette francophonie qui nous unit tous ici. Je vous remercie vraiment du fond du cœur, et je remercie my partner in crime, Brigitte, qui depuis de nombreuses années aide à faire briller ce festival, comme elle l'a dit, the second most important one in the world. Et vraiment, monsieur l'ambassadeur, merci de votre hospitalité qui m'a beaucoup touchée, et merci à tous d'être là aujourd'hui. Merci.